Bonjour à tous, je m'appelle Yann Arthus-Bertrand et je suis un petit peu académicien aux Beaux-Arts. En ce temps de confinement, on a bien sûr le temps de lire et j'avais énormément de livres qu'on reçoit qui s'empilent sur ma table de chevet, même la table de ma chambre. Il y avait un livre, j'ai commencé par un livre que j'ai adoré, j'ai tellement aimé que j'en ai acheté 10 pour distribuer à mes amis. Ça s'appelle Bergère des collines, voilà, et c'est là, je ne vais pas écorcher son nom, et c'est. Florence Robert qui a fait ce livre. C'est un livre magnifique. C'est simplement l'histoire d'une bergère et qui raconte sa vie dans les corbières d'une façon très simple. Et c'est drôle parce qu'en ce moment, on est complètement submergé de nouvelles qui viennent du monde entier. On vit dans un monde tellement mondialisé. Et de voir un livre qui ne parle que d'un endroit, qui parle que de ça, qui parle des moutons, qui parle de l'agnellage, qui parle des chiens, qui parle du sens de la vie. Et ce qui est intéressant, c'est que ce livre montre comme c'est difficile d'être un berger. C'est pas quelque chose, c'est pas quelqu'un qui se promène toute la journée à regarder ses moutons. Non, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Il y a les maladies, il y a les moutons qui se perdent, faut trouver de l'herbe, faut trouver de l'eau. C'est un bouquin génial que je recommande à tout le monde en ce moment. Et puis je voulais vous dire aussi qu'on a mis en ligne un film qu'on a fait il y a quelques années, la version cinéma du film Human, qui est un film que j'adore, qui est un peu long, dure 3 h 10, mais c'est le moment de le voir. C'est un film qui parle de. On a fait 2000 interviews dans le monde qui parlent d'amour des autres, en fin de compte, qui parle du pardon, du sens de la vie, de la guerre, de la mort, de l'amour. Voilà, ça c'est un film. Avec le film, on a mis le making-of de la musique qu'on a fait avec Armand Amar, qui est formidable, que ça explique comment est-ce qu'on fait la musique d'un film. Et je crois que c'est la première fois qu'on faisait un film là-dessus. Puis c'est aussi un film sur l'amitié qui nous lie, Armand et moi, qui est un grand musicien. Je vous embrasse, je vous aime et à très bientôt.